Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo à la chaîne Vieux Catalogue Poupouze. Le petit Mazda 1936, ça fait plaisir. Je continue à trouver des trucs très intéressants. Bien sûr, c'est l'ère avant Seconde Guerre, donc du coup, on va découvrir des trucs qu'on a déjà vu un petit peu bizarrement dans les années 50. Par contre, il y a le modèle Reflectolux. Ça a été jusque dans les années 70, mais bon, on imagine que ça date des années 30. Peut-être même plus vieux que ça, hein. Donc voilà, donc on va découvrir ça avec amour. Ce sera une toute petite vidéo, bien sûr. On fera le point juste après, ce sera très intéressant. On va pouvoir commencer tout de suite, ce sera plus rapide. Sinon, on va choper une crise de fou, quoi, hein. Donc là, donc bien sûr, j'ai retiré le dessus pour faire plus propre, hein, pour une miniature plus belle. Donc voilà un petit peu donc là le catalogue quand on se mange bien, donc modification 1937, donc c'est un catalogue qui date de 36, mais voilà, donc ça c'est un 1931. Donc voilà, compagnie des lampes, alors bien sûr c'est des anciens francs, pas des nouveaux francs. Non, bien sûr c'est un catalogue d'appareils édition septembre 36. Voilà, donc modifié à partir du 1er janvier 37. Donc là un petit peu le catalogue, donc là, barème des matières, table des matières, renseignements commerciaux, en tout ce qui est vraiment d'enseignement technique, tout ça. Là donc le luxmètre, les réflecteurs X-ray, donc ça pareil. Le premier réflecteur en vitrine en verre argenté ondulé a été réalisé il y a plus de 30 ans. Quoi? Quoi? Non! Et déjà plus de 30 ans alors que tu en es en 1936? Donc ça veut dire que le réflecteur X-ray date des années 1800-1900. Ah ouais! Donc ça date de très très vieux le X-ray. Ah oui! Ah ok, d'accord, ok. Non mais d'accord, je... Ok, donc c'est vraiment bien vieux. Donc Mazda, je pense que ça date aussi vieux. Donc après, voilà, les systèmes de réflecteurs. Ah, voilà. Donc X-ray. Réflecteur X-ray intensif pour vitrine profonde. Putain, c'est perturbant de voir ça. Donc, voilà. Donc le joli petit logo. Ça, je vais peut-être faire une, un petit machin de ça. X-ray. Voilà, donc c'est pareil, on voit le truc. Donc, et c'est qu'en vert. C'est que des trucs en vert. Des verres argentés. C'est impressionnant comment c'est beau. Donc je ne savais pas, coupe chromée. Coupe chromée, attends, ça doit leur coûter une blinde. Little Boy. Little Boy, par contre, je sais pas où ils ont été chercher ça, mais Little Boy, pour info, c'est une... Comme Fat Man, c'est une bombe nucléaire. Lol. Là, donc ML 1000. Ah, ça, je dirais ML, mais non, il n'y a pas de mercure à l'époque. Donc là, réflecteur X-ray, toujours, t'as sa quantité de réflecteurs X-ray. L'un des grains pour lampe, l'inolite. Déjà, l'inolite existait déjà dans les années 30? Non. Appareil pour lampe submersible, déjà les incandescentes comme ça existaient déjà. Lampe portative, donc là, ça, les montures sur diffuseur, sur chaîne, tout ça. Ça, j'aime bien ces modèles-là. Ça, je kiffe, j'aime bien. C'est joli, c'est mignon tout plein. J'aime bien celle-là. Celle-là aussi, j'aime bien. De toute façon, je les aime tous, donc ça va. On pourrait être sur Albalite. Je sais pas c'est quoi l'Albalite. Il n'y a pas une doc sur ça. Monture standard, monture à chaîne, monture spéciale. Diffuseur clos pour éclairage semi-direct. Ah, ça me dit rien, ça. Une qualité de son verre opalin. Savoir conçu pour supprimer des vosibles. Ouais. Ok, je sais pas c'est quoi. L'Albalite forme 15. Pareil, ça, ils sont vraiment chelous ces machins. Ils avaient quand même des trucs intéressants quand même à l'époque. C'est impressionnant. Donc les différents balises, toujours pareil. Monture plafonnée en cuivre rouge, laqué blanc. Ah, il y avait déjà des cuivres rouges. Donc là, après les machins, ça j'en ai déjà vu quelque part, je sais pas où c'est. Les adaptateurs albalites. Les adapteurs albalites. Ok. Donc, les fameuses cheminées qui ne coûtaient pas trop cher à l'époque.
Donc les machins, pareil, ça c'est coûte une blinde. Bah pas spécialement. 150 francs, le 150 anciens francs. Par contre, là c'est lequel? Je sais pas si c'est celui-là, je crois. Il lui coûte une blinde. Encore les trucs coupe en tôle émaillée. Donc là, les réflecto. Réflecto diffuseur. Ça va être vraiment magnifique. Ah, Reflectolux. 36. Et les photos sont de base pareilles. C'est les mêmes photos que je peux vous ressortir vite fait un catalogue. Là, si vous voulez, on ressort vite fait, comme ça c'est fait. Mazda. On va dire le Mazda. Le Mazda 79. Mazda 80, je suis pas sûr qu'il y ait encore. Mazda 79. Mazda 79. 79. Voilà. Reflectolux. Allez, chargement court. On va regarder ça. Je vous garantis, si ça y est en 79, ça veut dire que ça a plus de 40 ans. Et ça fonctionnait bien parce qu'il est lanterne de type Dodolphe. Ça devait bien tenir dans le temps. Par contre, là, c'est chiant. Ça tourne en rond. Ouais, ça va. Voilà. Alors, du coup, par contre, c'est long, ça c'est chiant. Voilà. On est arrivé. Voilà. Les Reflectolux. Déjà encore là qui était là. Vous imaginez que la photo, je suis sûr que la photo qui était déjà là. Bon, en fait, c'est tout simple en fait. Ah, c'est pas le même. Ah, si. Ah, non. C'est le même modèle, sauf que c'est pas la même photo. D'accord. Donc, ça, c'est plus vieux. Okay. Donc, ils ont fait des photos plus récentes. Bon, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Si c'est vraiment une différente. C'est vraiment une récente. Ou c'est peut-être la version RE30. Ouais. RE, R30, si c'est ça. C'était déjà. Ah, il y avait R52. Ah, c'est R, ouais, c'est la version comme ça. RE. RE. Ah, il y avait la grosse taille, il y avait RE52. Donc, je pense que ça, c'est. Si, ça existait déjà. C'est la grosse taille, je pense. Ah, il y avait déjà quand même. Là, en 79, ça coûtait 144 euros à peu près. 79, c'était le même prix que les euros. Hein, donc. Ok. Ouais, ok, d'accord. Si un E, machin, tout ça. Ok. Ok, d'accord. Donc il y avait une quatrième taille et qu'à dégager entre deux. Et l'appareil, la RAG 4. Ah, il n'était pas la RAG 4. Non. Elle n'était pas celle-là. Si elle y était, mais d'une autre façon, c'est pas la même chose. Ok, d'accord, ok. Vous imaginez que déjà en 79. Non, c'est-à-dire que ça date de 36, 46, 56, 66, 76. Donc ça fait plus de 40 ans que le modèle existait encore dedans. Vous imaginez tellement que c'était vendu ce machin-là. En plus pour les petites personnes, hein, les petites cours, les machins, les usines. Ah, rééclairage public. Vous imaginez qu'il y avait de l'éclairage public dans les années 30 de chez Mazda. Et vous imaginez, ça a dégagé. Bon, je sais pas c'est quoi comme style de lampe, comme lanterne. Armature X-ray. Il faisait même de l'éclairage public X-ray. Donc ça doit dater de vieux, ce machin-là. L'éclairage public aussi pour les lampes. C'est quoi comme style de lampe, ça? Ah oui, d'accord. Il y avait déjà les 500 watts mercure. D'accord. Il y avait déjà BF mercure, déjà. Ah, ça c'est... Comme les HLS, mais plus vieux qu'HLS. Vous voyez que la HLS, en fait, c'est vraiment un modèle qui date de très très vieux. Ah, ça, on dirait, voilà, ça, c'est vraiment du Mazda. Hein. Allez, pareil. C'est avant Infranor, bien sûr, ça, c'est vraiment l'époque avant Infranor. Donc, c'est sûr que là, c'est perturbant. Sa projecteur Pentis. 6600 francs. Pff. Profondeur. De lampe de 3 kW, un filament axial. Par contre, c'est con, j'aurais bien voulu savoir le poids du truc. Autre modèle de lampe de 50. Ah, ok. Par contre, j'aurais bien voulu largeur, profondeur. C'est con, je n'ai pas su le poids.
Ah, c'est con, ils ont pas projecteur pareil. Et bien sûr, là, il y a un petit machin. Et la fin du catalogue. Franchement, vous imaginez quand même que. On est sidéré quand même de voir que la réfectoire, ça a duré plus de 40 ans. Bon, déjà, 36, ça existait déjà, donc on va dire plus de 40 ans, voire 50 ans de fonctionnement de Reflectolux. Et j'ai regardé 79, je pense que je peux aller plus loin, je pense en 80, il y est encore. Vous savez, on va regarder vite fait comme ça c'est fait, pour qu'on soit, on va dire, concluant, c'est bien français, bon, bref. 79, on va regarder dans le 80, là. On va regarder où ça a été jusqu'à où. Donc là, paf. Reflectolux, encore en 80. 80, 80. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Allez, c'est reparti. Fosagora. Catalogue. Europe Ouest. Français. Holophone. Mazda. Mazda, voilà. Donc là, 83. Donc là, on va retourner. Ah, je pense que l'an 84, ça n'y était plus. Ah, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain que ça n'y était plus. Oh la vache! 84, hein? 83-84, hein? Attention, 82-83. Vous imaginez que la Reflectolux date des années 30 et ça y était encore dans les années 80? Quasiment 50 ans, je le dis, ça a plus de 50 ans ces modèles-là. Et après en 84, je crois que j'ai pas de catalogue en 86, mais je crois que 86 ça n'y était plus. Je pense que ça a disparu à partir de projet, à partir de Philips. J'ai 82-83, mais après j'ai pas. Ah, c'est bien dommage, j'aurais bien voulu voir. Vous imaginez quand même le truc de ouf, c'est-à-dire qu'en fait, les modèles, donc c'est au moins 50 ans de fonctionnement, 50 ans d'existence. Ça fait fureur ces machins-là, pourquoi c'est une dinguerie. C'est qu'un morceau d'une galette de tôle d'alu, une tôle d'acier plutôt. Franchement, on a vraiment couronné pour le bout quand même. Quand on a vu 1936, on avait vu jusqu'en 82, et c'était toujours le même modèle. Donc voilà, c'est vraiment une dinguerie. Donc cette fois-ci, on va pouvoir se laisser là-dessus. On sortit encore pour une nouvelle vidéo. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir de vous avoir découvert ces petits catalogues de qualité. Et on sortit encore pour une nouvelle vidéo. Et comme bien entendu, bah. 50 ans de règne de Reflectolus quand même dans ce catalogue-là. Ah, c'est pas faux!